Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion de Kick-Ass Remembering Tommy and Mother Russia Fully Loaded, donc une expansion très très rare en fait, que je n'ai vu nulle part, et qui était, je crois, du moins vendue lors des conventions, et évidemment ça n'a pas été, il n'y a pas eu beaucoup de conventions sur lesquelles Cool Mini or Not a vendu ce produit-là. Ça date quand même de 2016, si je me trompe pas. Donc, ça fait quand même un bon moment que ça a existé. On va dire ça comme ça. J'ai pu m'en procurer donc une copie dernièrement. Très, très, très content. Et c'est maintenant là, on va voir. Parce que partout, on voit pas nécessairement le contenu de la boîte. On voit pas quelqu'un l'ouvrir. On voit pas. C'est comme si ça avait jamais existé. Donc, je suis très content d'avoir cette boîte-là. Et on va l'ouvrir ensemble. Voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Première des choses, c'est un trou ici et non pas... en fait, c'est pas le lid qui était en couleur. On a quelques... on a deux images ici, donc Remembering Tommy encore, avec Mother Russia qui est là. Donc évidemment, c'est tiré de la BD. On a ici des ennemis avec Mother Russia. L'autre côté, ben, on a juste le logo lui-même. Et de l'autre côté, ben, on a le groupe, je crois, de Kick-Ass et tout ça. Et de l'autre côté, Remembering Tommy. Donc, c'est ça la boîte. Et c'est une petite boîte bien, bien simple. Là. Pas super... le carton est correct. Le carton est correct. À l'intérieur de ça, on a, j'allais dire, un petit paquet de carton. Il est protégé par le plastique. Et là aussi, donc, je vais devoir soulever ça ici. Je ne sais pas s'il est collé sur les côtés. Bien sûr. Donc, on va... ouvrir ça. Il est collé sur les quatre côtés. Donc, désolé, je vais faire ça hors caméra pour être capable d'avoir accès à ça. Donc, ce que ça donne, une fois ça enlevé, j'essaye d'enlever ça. Et voilà. Donc, nous avons les figurines d'ennemis. Donc, évidemment, je les présente, je vais toutes les présenter parce que c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Donc, des déballages de ce produit-là. Donc, quand même très cool. Donc, un mini-boss. Donc, on a ça ici avec le marteau. Par la suite, on a ça ici, le monsieur avec les deux épées. Après ça, nous avons... Mother Russia. Et nous avons... En fait, c'est peut-être même pas ça. C'est peut-être juste un personnage. Et on a le personnage ici. Genre de guerrier. Donc, ça comme ça. On a un petit deck de cartes donc pour le personnage. Donc, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Normalement, ça contient une carte, je vais dire, ultime. Et là, pour bien faire le plastique, il s'enlève vraiment pas bien. Bordel, tu sais, pour que ça aille un petit peu plus vite, là. On va essayer de la voir. Finalement, lentement, mais sûrement. Partez pas, ça s'en vient. Allez, bordel de petits plastiques. En tout cas, c'est sûr et certain que je mettrais quasiment ma vie entre les mains de ce plastique-là. Donc, le derrière de carte. Donc, les cartes bleues, bien sûr. Ça ici. Donc, on a un free time. On a un autre free time, mais pas avec la même image. On a un autre free time. Donc, lui, c'est du temps perdu. Remembering Tommy. Donc, un power pour se battre. Et il perd un de on va dire, d'être content. Tommy Tribute. Donc, ça ici. Donc, if mom and dad are in the same district. Et on a Famous Remembering Tommy. En fait, ça a l'air d'être des parents, en fait. Donc, on bougerait peut-être deux personnes en même temps. Deux personnages en même temps. Donc, ça, c'est fait. Nous avons, donc, une arme. Donc, il y a juste un objet. C'est l'arme de départ. Donc, je vais même pas la sortir du sac. Donc, Club and Sword. Donc, quand on a un éclair, on peut relancer le dé. Et ça rajoute un dé rouge. Donc, c'est quand même pas mauvais comme arme de départ. Il y a ici un paquet de cartes pour le boss lui-même. Donc, Mother Russia Plot, et non pas la plot de Mother Russia, on va quand même pas dire ça de même en français, ce serait pas super classe, mais c'est trop tard, c'est dit. J'essaie d'ouvrir ça, mais c'est pas facile.
petit plastique. Bon, vous venez de l'entendre. Donc, ceci étant fait, donc nous avons le Boss Event. Nous avons Boss Event, Boss Event, Boss Event, et ça, et le scénario lui-même. Donc, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez un petit peu le texte. Et les events. Donc, gang number one. Nous avons le gang number two. Nous avons le gang number three. Gang number four, pas trop de surprise. Donc, c'est un peu ça. Son scénario, de ce que je peux comprendre. Donc, on a ça de fait, de placé. Et à l'intérieur de ça, en dessous, nous avons un giga baguise contenant quelques petites choses, donc rien d'autre en dessous de cette boîte-là. Et dans ce gros sac, il y a les composantes et les règles supplémentaires. Donc, qu'est-ce que ça donne? En fait, on voit un peu les jetons. Donc, règles spéciales ici, pour ceux qui voudraient peut-être voir qu'est-ce que c'est exactement. Donc, ça semble être une double attaque. Et pour le boss final, ben il y a une charte, le Final Bosses. Donc, c'est un médium. Donc, on a le setup qui est ici, parce que normalement, on a toujours un setup différent. Donc, on a ça ici. J'ai évidemment les 4 jetons supplémentaires pour mettre sur ce personnage-là, advenant le cas. Donc, ils ont ajouté ça en supplément. Malgré qu'il y en avait déjà de fournis dans la boîte de base, donc... Malgré que je pense pas qu'on puisse jouer à 5 avec ça, ben peut-être. Dans le fond, on pourrait peut-être jouer à 5. Et le dernier, j'essaie de le sortir, mais je vais quand même me garder une petite réserve. En fait, c'est le plateau lui-même. Donc, on a pratiquement la même chose. Les deux hardships apparaissent au niveau 1 et au niveau 4. Par la suite, un des rouges, un happiness et deux des bleus. Et comme bonus, on a le marché qui coûte moins 1. Si on lance les deux ensemble dans un même district, donc on enlève tous les ennemis dans le même district, c'est extrêmement puissant. Et ici, on a, je ne sais pas si c'est pigé ou jouer une carte verte, on a un like et chaque like donne 1$. Donc c'est quand même bien. Et les deux personnages ont chacun leur barre de vie moins haute que les autres personnages, mais ils sont deux. Donc ça risque d'être quand même assez intéressant comme... comme matériel. Donc, ça fait le tour en fait de ce déballage de cette expansion pour Kick-Ass qui est extrêmement rare. Là, vous allez dire, tu l'as ouvert? Ouais, mais c'est parce que moi je veux jouer avec. Je vais pas juste laisser ça là pourrir tranquillement en me disant ça va gagner de la valeur plus tard. Même si je suis quand même un collectionneur, mais j'ai quand même mes limites. J'achète des choses pour pouvoir au moins les utiliser. Donc, c'était le contenu de cette petite expansion. Un beau packaging d'ailleurs pour une expansion, là, franchement, comme ça, on voit les figurines, on peut se douter qu'est-ce qui est à l'intérieur de la boîte. Donc ça, franchement, c'était une belle boîte. Malheureusement, le jeu a eu une sortie limitée. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.